Hey yo les gars, c'est Nel et Suite, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept mode sur FUT 16. Aujourd'hui, personnalisation de kit pour la carrière, donc ça se rejoindrait à un mode carrière donc avec une équipe. Et aujourd'hui les gars, donc voilà, on se retrouve avec la personnalisation. J'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite avec, à l'écran ça s'affiche tout de suite la personnalisation. Donc il y aurait 4 onglets dans cette personnalisation. Le kit de base, donc à quel maillot on voudrait que notre maillot ressemble, mais vraiment de base, donc après ce serait modifiable. Ensuite le choix de la marque du maillot, donc le sponsor, le premier sponsor, donc la marque. Ensuite le choix du sponsor, c'est-à-dire le sponsor qui est au milieu du maillot. Et on pourrait aussi en mettre derrière le maillot, vous voyez il y a quelques équipes qui mettent des sponsors derrière leur maillot aussi. Et ensuite la personnalisation physique du maillot, c'est-à-dire les modifications. Par exemple là, le maillot qui est affiché, c'est celui de Liverpool de cette année. Les bandes rouges, par exemple en haut, normalement il y a une bande rouge. Je l'ai retiré par exemple, ce serait avec cette personnalisation physique qu'on retirerait les bandes ou qu'on rajouterait des bandes ou qu'on mettrait, je sais pas, des carrés, des carreaux, des trucs comme ça. Voilà, en gros c'est vraiment là où on modifierait l'aspect physique du maillot. Ensuite voilà, donc là moi j'ai voulu donc vous montrer comment on pourrait par exemple choisir la marque. Donc là la marque qui est affichée c'est Adidas, donc on aurait signé un contrat avec Adidas. Donc voilà, vous pouvez choisir par exemple le montant, enfin le contrat en fait que vous signez. Après moi j'ai mis que ce serait des propositions, ça veut dire que par exemple la marque ferait une proposition au club. Par exemple là donc c'est Liverpool que j'aurais choisi. Que j'aurais choisi comme club pour ma carrière. Et donc ce serait la marque qui viendrait faire un contrat. Et soit on accepterait le contrat. Par exemple là on signerait avec Adidas pour 25 millions de livres par an. Donc ce qui est vraiment pas mal, voilà. Et puis j'ai essayé de regarder un petit peu les montants, on va dire les vrais montants qui sont signés, on va dire, dans les contrats entre les clubs et les marques. Donc voilà, Adidas là, donc c'est vrai que ça change quand même le maillot de voir Adidas au lieu de Warrior qui est la marque actuelle de Liverpool. Donc voilà, après on pourrait renouveler par exemple avec Warrior, on pourrait aussi signer un contrat avec Nike. Et là cette fois-ci on aurait choisi Adidas. Ensuite j'ai choisi justement les sponsors, donc au milieu du maillot vous voyez. Donc il y a chaque différent sponsor, donc le maillot qui va changer, vous allez voir. Donc ça va se faire au cours de la vidéo. Donc pour l'instant, vous voyez le renouvellement de contrat avec le sponsor actuel, donc qui est Standard Chartered. Donc avec encore 27 millions de livres par an. Ensuite, vous voyez maintenant à l'écran, ça change. On va descendre et on va aller sur signer un contrat avec Fly Emirates pour 28 millions de livres par an. Et donc là, le maillot changerait avec le logo de Fly Emirates au milieu du maillot. Et ensuite, troisièmement, on aurait le choix pour signer un contrat avec British Airways, qui est une des compagnies d'avions donc les plus connues, on va dire, en Angleterre, pardon. Et donc pour 23 millions de livres par an, donc le maillot toujours avec le logo de British Airways, ça changerait vraiment pas mal. Et je pense que ce serait vraiment, vraiment très intéressant. On aurait vraiment l'impression d'être au cœur du club, de choisir même jusqu'au maillot, jusqu'au sponsor, jusqu'à la marque du maillot. Je pense que ce serait vraiment très intéressant. Et ensuite on aurait la personnalisation physique. Ça voilà, je ne l'ai pas créé, on va dire, sur Photoshop, parce que j'aurais eu vraiment vraiment du mal à créer ça. Mais voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux les gars, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Je pense que on est tous d'accord, on va dire, pour dire que ce serait quand même très intéressant de pouvoir créer son propre maillot. Je sais que dans PES, je sais pas, enfin ça fait longtemps que j'y ai joué, mais dans PES on pouvait modifier les maillots. Je sais pas si on pouvait en créer, mais là ce serait vraiment un mode création. Ce serait pas des modifications, mais vraiment un mode création. On pourrait faire ce qu'on veut. Par exemple, je sais pas, dessiner, je sais pas, une grosse tour Eiffel sur le maillot du PSG ou un truc comme ça. Enfin, vraiment des maillots personnalisés, quoi, en gros. Voilà. Et ce serait vraiment très intéressant. En plus, on pourrait y jouer, enfin, jouer avec ceci. Pendant les matchs des nouvelles saisons à chaque fois. Et puis on pourrait modifier ça pendant par exemple les saisons, enfin pendant la saison estivale, on va dire, pendant le mercato, etc. Ce serait vraiment très intéressant. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.